Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en regardant Netflix et comment vous allez pouvoir gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer, les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Donc, les amis, comment gagner de l'argent en regardant Netflix? Vous regardez certainement Netflix plusieurs fois par semaine, notamment après le travail ou le week-end, tout simplement pour vous relaxer. Mais est-ce que vous saviez que vous pouviez gagner de l'argent également en regardant Netflix? Bon, vous regardez déjà Netflix dans tous les cas. Donc, pourquoi pas également gagner de l'argent? C'est exactement ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. OK? Donc, j'ai préparé des choses ici sur mon écran. Je vais vous montrer pas à pas comment gagner de l'argent avec Netflix. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc ici nous sommes sur netflix.com version brésilienne, donc il faudra simplement aller sur la version par exemple française. Mais en fait l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est par exemple d'aller ici sur google.com et de taper meilleure série Netflix aux USA. Là vous allez avoir un tas de séries en fait qui ont bien marché sur Netflix, dont par exemple Stranger Things. Donc Stranger Things, c'est une série qui a été lancée en 2016, 4 saisons sur Netflix et qui a vraiment explosé sur Netflix. Donc ça fait déjà 7 ans qu'elle existe et elle a vraiment fait un carton. Donc en fait, comment ça se passe? C'est qu'il faut aller simplement sur Google, regarder les séries qui marchent bien et ensuite, vous allez bien évidemment devoir regarder ces séries-là pour avoir, ou alors vous les avez déjà regardées et vous êtes fan, ou alors vous devez les regarder pour avoir vraiment des certaines connaissances et devenir en quelque sorte un expert sur ces séries-là. Ensuite, ce que vous faites, c'est très simple. Vous allez simplement sur YouTube et vous voyez en fait que sur YouTube, il y a un tas de YouTubeurs qui en fait font des vidéos de réaction par rapport à du gaming, par rapport à de la musique ou par rapport à des séries et des films. Dont par exemple ici, Bridgeco qui réalise en fait des réactions par rapport à un tas de films et un tas de séries, comme par exemple Game of Thrones. Si vous voyez ici Bridgeco, cette chaîne a 66 000 abonnés, a réalisé 590 vidéos. Et bien évidemment, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les personnes qui réalisent ce genre de vidéos réactions, ne croyez pas qu'elles font pour du beurre. Elles font tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle Google AdSense et la publicité sur YouTube qui permet en fait aux créateurs de gagner de l'argent grâce à la publicité. Donc, chaque fois qu'une vidéo de réaction par rapport à, par exemple, Stranger Things est jouée par des personnes, eh bien, le créateur va empocher des revenus publicitaires. Voyons voir ici sur Social Blade qui vous permet d'avoir de la data sur les YouTubeurs et les créateurs. Vous voyez que, par exemple, cette personne ici, enfin, ce compte Bridgeco, ce créateur, a réalisé 590 vidéos à 66 000 abonnés, a fait plus de 13 millions de vues sur YouTube. Et voyons voir un peu quotidiennement les vues que cette personne, que ce compte en fait fait. Alors, sur les 30 derniers jours, ils ont fait quasiment 1 million de vues. Ok, déjà c'est énorme. Et par jour, environ, cette chaîne fait 30 000 vues. Cette chaîne fait 30 000 vues par jour. Si on estime par exemple qu'aux USA, un créateur gagne 10 dollars par 1000 vues, ça veut dire que par jour, ce créateur va gagner 300 dollars. Va gagner 300 dollars en faisant juste des vidéos simples où il va regarder en fait la série sur Netflix et en même temps, il va avoir sa caméra comme j'ai ma caméra aujourd'hui. Il appuie sur le bouton presse et en fait, il va donner des réactions ensuite. C'est très très simple à mettre en place. Et c'est enfantin vraiment ce système à mettre en place afin de gagner de l'argent. Maintenant, voyons voir un peu comment ça marche. Si je tape Stranger Things I React, vous allez voir par exemple que ici, il y a une vidéo en anglais, Stranger Things, The Vanishing of... C'est certainement la saison 1, épisode 1, qui s'appelle The Vanishing of Will Byer Reaction. Et en fait, si je vais sur la chaîne Just Us, on voit qu'en fait, c'est une chaîne de réaction. Regardez. A channel of friends who react to things. Donc, c'est une chaîne
de personnes en fait qui réagissent à des choses, comme par exemple ici ils réagissent à plusieurs séries en fait, tout simplement ils regardent des séries et ils réagissent. Donc maintenant je vais jouer tout simplement sur la chaîne où la personne réagit à, on avait dit ici Just Us, il réagit avec ses amis à The Vanishing of Will Byers. Je clique dessus, elle dure 36 minutes. Bizarrement, là, il n'y avait pas eu de pub, mais généralement, il y a une pub en fait au début et c'est comme ça qu'en fait, qu'ils vont se rémunérer. Donc voilà les amis, vous avez vu là en fait, juste en regardant Netflix, en prenant sa caméra et en faisant des vidéos, on va pouvoir gagner de l'argent avec ce qu'on appelle Google AdSense. Et donc, il y a énormément de créateurs qui ont des chaînes en fait juste dédiées à cela, comme je vous ai montré, et qui peuvent générer plusieurs centaines d'euros par jour juste en faisant cela. Moi, personnellement, avec ma chaîne, juste avec ma petite chaîne de environ 6000 abonnés, eh bien, je peux réaliser par jour juste 20 euros, juste en mettant en fait des vidéos où je donne des conseils, ou alors je peux réagir également à des vidéos d'autres personnes. Donc, les vidéos réactions marchent très bien. Et notamment, marche très bien sur des sujets en fait qui sont déjà recherchés de nombreuses fois. Donc, par exemple, une énorme série comme Stranger Things qui a vraiment explosé, que ce soit aux États-Unis mais également au niveau mondial, bien évidemment, va attirer l'attention sur une énorme plateforme comme YouTube et des gens vont chercher en fait du contenu par rapport à Stranger Things. Je vous montre par exemple ici, si vous allez simplement sur YouTube, vous tapez Stranger Things. Regardez le nombre de vidéos en fait qu'il y a, le nombre de contenu qu'il y a. Regardez par exemple ça, ça a été vu 9,8 millions de fois. Ils ont carrément une chaîne Stranger Things qui rassemble, regardez, 2,66 millions d'abonnés, 175 vidéos. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme en fait les vues qu'ils peuvent avoir. Regardez. C'est juste incroyable. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire avec Stranger Things. Il vous suffit simplement de trouver une série qui marche bien. Par exemple, en France, il y a certainement des séries qui sont en train d'exploser sur Netflix. Vous savez que ça va attirer l'attention, ça va attirer ce qu'on appelle des eyeballs sur YouTube. Et ensuite, il vous suffit simplement de créer du contenu par rapport à ça. Vous prenez une caméra, vous créez un compte, tout simplement une chaîne sur YouTube et vous créez une chaîne de réaction où vous allez réagir tout simplement à une série en particulier. Et si vous êtes fan d'une série, vous la regardez littéralement tous les, vous la regardez toutes les semaines, et bien c'est juste incroyable le nombre d'argent que vous pouvez réaliser. Vous pouvez quasiment réaliser un salaire juste en faisant des vidéos de réaction à des séries Netflix. Donc voilà les amis, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire juste en regardant Netflix. Et si vous voulez un moyen encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année, eh bien, je vous conseille fortement de cliquer sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès en fait à une formation 100% gratuite pour vous apprendre à comment gagner de l'argent en ligne cette année. En attendant, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter juste en dessous ce que vous voulez. N'oubliez pas également de partager la vidéo tout simplement avec un ami, de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Regardez également cette vidéo juste ici. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, ciao.